Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour. Je vous retrouve donc pour le dernier courrier du jour. Donc, journée riche en émotions pour l'instant, hein, c'est clair, et je pense que c'est pas fini. Donc, ce courrier me vient d'Agnès, du département 75. Alors Agnès, je comprends un peu plus un message que tu as laissé il n'y a pas très longtemps, un commentaire que tu as laissé sur la chaîne, quand je disais « mais c'est fini mon anniversaire !» et tu me disais « non, non, c'est pas fini !» avec des smileys. Donc maintenant, je comprends pourquoi tu avais laissé ce commentaire. Donc, alors, j'ai ouvert juste le paquet... Et voilà, donc, alors attendez, je vais mettre ça sur le côté parce que si, et puis sortir les choses parce que sinon je vais avoir du mal à m'en sortir. Alors, bon, finalement, j'ai pas tout sorti, j'ai sorti quelque chose, mais j'ai trouvé la carte, donc voilà, je me suis arrêtée là. Et il y a également un paquet pour Déborah, donc elle va ouvrir son paquet. Et moi également, donc, je vais lire, enfin, je vais regarder sa carte. L'étiquette, au passage, elle me dit quelque chose, c'est les pompons. Oui. Mais tu m'as donné un agenda il n'y a pas longtemps et j'ai le crayon qui va avec. Ah oui, d'accord. Alors, elle m'a fait... Oh, cette déco, je l'ai vue il n'y a pas longtemps. Je crois que quelqu'un l'a utilisée sur une carte qu'il m'a fait. Donc là, elle m'a fait une très jolie carte. Je dirais un peu, pas couleur automnale, mais je sais pas comment la définir. Avec un die des fleurs qui ont été faites avec un die. Il est très joli ce die, je l'ai aussi. Je le trouve très très beau. Et donc là, elle a fait un tamponnage. C'est marqué « Profiter de chaque instant ». Donc, alors moi, je vais lire le message et je vais laisser Déborah vous présenter ce qu'il y avait dans son paquet. Ah, je te remercie, mais tu n'imagines même pas. Elle m'a offert, donc, là, c'est les rubans, je ne sais pas comment ils disent. Mais un peu, moi, ça me fait penser un peu au similidin, ou je ne sais pas trop comment ça se dit. Et bien ça, je m'en sers à faire l'hélicole et ça va vraiment me servir. Vraiment, merci. C'est génial, je te remercie. Merci beaucoup Agnès, c'est adorable, je te remercie. Enfin voilà, je te remercie vraiment beaucoup pour ton message. C'est voilà. Ah, ça vient du cœur et voilà. Ça va compléter la collection. Alors arrête de sauter. Ça y est, mon kangourou est de retour. Tu montres? Ah, ce sont des cartes postales, c'est ça? Eh oui, ça d'accord. Ça a complété la collection. Oui, parce que maman, elle avait une collection quand elle était, donc quand elle avait mon âge. Et elle faisait une collection de cartes postales elle cheval. Elle est belle. Ouais, elle, ça me elle fait penser à Crin Blanc. Elle est super jolie. J'en avais pas des comme ça dans ma collection. Tu sais, on m'a... voilà, enfin, je dirais après. Ouais, on... bon. Donc là... Oh, regarde. Elles sont belles. Oh, elle est magnifique. Ouais. Là. Oh, j'aime bien dans les fonds bleus comme ça. J'aime bien le bleu, ouais. Oh, elles sont super belles. Mais en vrai, vous me connaissez trop. Moi, je crois qu'Agnès aussi, elle écoute bien quand on dit les choses. Alors là, c'est génial, ça. Alors, merci. Elle m'a offert également un bullet. Alors, j'avoue que j'avais un agenda, donc pour, un grand agenda qu'on m'avait offert, d'ailleurs. Bah, je vais vous le montrer. Que j'utilisais donc pour 2019, j'utilisais celui-ci et donc là forcément on arrive en fin d'année donc c'est génial, je vais avoir celui-ci pour la nouvelle année. Merci beaucoup, en plus j'aime bien les couleurs, ça donne un petit côté soleil, ça remonte le moral, ça fait du bien, ça sent les vacances. Merci, c'est adorable. Elle m'a offert aussi donc je sais pas si vous allez voir ici. Attends, donc des stickers. Ouais, c'est pas évident à montrer parce que cœur holographique. Alors, ouais, ce sont des stickers cœur rose holographique. Je suis pas sûre que ça rende bien. Il y a quatre feuilles dedans. Quatre différentes. Ça tu as montré dessus déjà? Non, j'ai montré. Non. Non, mais c'est pour savoir donc où là, je mets. Elle m'a offert aussi donc y a ce plein globe de donc de cartes postales à colorier. Donc j'ai feuilleté. Oh, je tombe sur celui que je voulais montrer en plus. Le petit c'est quoi? Oh my... Non, mais c'est pas ça, je voulais... Oh my dear. D'accord. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais j'aime trop, c'est un petit lapinou avec des bois, c'est trop chou, je trouve. Donc là, un chat... Ah, c'est marrant, le chien robot, ouais. Le teckel. Le chat à bois. Les affaires... Oh, ouais, c'est le make-up. Ouais, non, c'est sympa. Oh, il est sympa, le aussi vélo, c'est original. Et donc, ce sont des cartes, des cartes postales. T'as encore des choses à montrer? Ça. Eh ben, tu sais quoi, je te laisse montrer, comme ça je vais sortir et moi au fur et à mesure je remettrai dedans. Vas-y. Donc elle m'a aussi offert donc ce bloc. Donc c'est, je pense que vous le connaissez déjà. Il y a des die cuts. Ah oui, moi.
et oui, des papiers ouais. pour faire des bois. Donc là, j'aime beaucoup celui-là. Oh, c'est génial. Donc pour faire des bois, donc c'est sur les chats. Donc là, voilà. J'aime beaucoup, ça c'est trop mignon. Et je crois merci. Que tu... Ouais, je crois que tu t'es encore lâché, Agnès. Hein. C'est... Ouais. Je crois que... Oh, que c'est joli. Alors... Pas dû retourner. Donc là, voilà, je vous montre déjà le premier que je retourne. C'est super sympa. Donc là, ce sont des découpes en bois. Donc il y a des sapins. Et donc c'est une découpe, mais avec deux sapins attachés. Et là, donc on a le cerf, la biche et puis le petit faon. C'est trop mignon. C'est super sympa, franchement. Oh, voilà, tout... Oh. Alors là, ce sont des étoiles, mais... Ah, ce sont des stickers, parce que j'étais en train de chercher si c'était des brads ou quoi. Mais donc voilà, ce sont des stickers. Ben, ça, pour mes créations Noël, hein, tout ça, ça peut servir. Hein, c'est super gentil. Hein. Oh, t'es adorable. Donc là, il y a des rubans comme ça. Oh, ils sont beaux. Voilà. Ils sont magnifiques. Puis, lui, il a l'air d'être doux sur les... Là. Ben, on dirait qu'il y a une partie un petit peu velours. Et ils sont pareil. Magnifiques. Bah c'est vrai que oui, Agnès, ouais, elle m'a souvent offert des choses de chez Sostrengren et c'est vrai que nous on n'a pas ce magasin par chez nous, mais il y a vraiment des choses magnifiques. Les rubans sont super. Elle a offert donc c'est des en bois. Oh, c'est trop c'est sympa. Les skis et les bâtons. Je et vois oui, bah j'ai vu la luge aussi. Voilà. Et là, il y a la luge. Oh non, mais sérieusement, c'est trop. Maman, je voulais en acheter une aussi pour Chippy. C'est trop. Oui. Chippy, elle tiendra pas dessus, hein. C'est non, Chippy. Mais pour... Non mais pour que Chippy elle le traîne. Non mais qu'elle c'est traîne. C'est un que cochon d'Inde, c'est pas un cheval. C'est pas. Donc, la luge en bois, c'est trop mignon, des petits sérieusement. Sabots. Voilà. Ça, des c'est sabots, adorable voilà. aussi. Ouais, c'est tout petit et tout. C'est, tout c'est petit. Adorable. Après, il y a c'est... aussi des perles smile. Oh, génial. Bonhomme, tête de bonhomme. Ah, mais alors ça, c'est trop top. Ouais. Ouais parce que je voulais faire des porte-clés en paracorde, faire des personnages porte-clés avec de la paracorde et ben c'est génial ça. Oui, on a différentes tailles. Oh ouais, c'est trop tu génial. Tu pourrais dire qu'on a la grosse tête. C'est ça. Et mais sérieusement, t'as fait des folies Agnès. Donc, là ce sont des sujets en feutrine. Merci. Bah forcément, je vais commencer à perdre mes mots. Depuis tout à l'heure, je les perds, mais alors là. Prénom, pain d'épices et tout. Donc là, c'est en foncé. Ah oui, et là, y en ce a sont les mêmes, clair. Mais voilà, dans deux teintes différentes. Mm. Ah, c'est super sympa. Il y a de la feutrine, ah, c'est génial, verte ça. Et rouge. Donc, alors là, on est pile poil dans Noël, hein, forcément. Ouais. Hein. C'est. Franchement, Agnès, qu'est-ce que je peux dire? Ça, alors enveloppes. Là, ce sont des enveloppes, des cartes, avec, enveloppes. Des, ouais, avec des cartes. C'est, ouais, ça, j'en ai déjà acheté. Ouais. C'est sympa. C'est sympa comme tout. Excusez-moi. Alors là, c'est pour faire sa propre guirlande. Alors ça, j'avoue que j'en ai ouais. pas acheté de ça. Donc là, on est un peu aussi dans le thème tropical. Hein. Ouais, avec ouais, des choses. Arrête, tu me fais du vent, désolée. S'il te plaît. Donc là... Voilà, c'est super sympa. Donc là, elle l'a mis comme elle a mis à moi, donc un bloc donc pour faire, faire ses des, enveloppes. Ouais, pour faire ses... Sur... Pas les enveloppes, ouais, c'est des petites boîtes. Des boîtes, oui. Donc ouais. là, c'est, voilà, c'est... Ah, c'est sympa. C'est oh, et mais c'est... Pff, merci, mais... Oh, c'est un truc de fou, hein, tout ce que tu as mis. Les petits rêves. Tout ce que tu as mis. Alors là, bon, la boîte, elle a un peu souffert. La poste n'est pas toujours très tendre. Hein. Alors... Oh, mais ça aussi... Alors, je ne sais pas si c'est des choses en vrac ou si c'est une création que tu as faite. Alors, on va regarder ça tout de suite. Déjà, la boîte, elle est super sympa. Dommage qu'elle ait été cabossée. Oh non, c'est plein. Oh, génial. C'est plein de petites choses. Oui, il y en a plusieurs. Il y a des pommes de pin, il y a des demi-rondins, il y a des petits... Il y a plein. Oh, c'est super sympa, regardez ça. Les petites pommes de pin comme ça, c'est pas des vraies, si. C'est des vraies. Si, c'est des vraies. Oh, les petits champignons et tout. Mais c'est super mignon. Là, c'est automne plutôt. Par contre, oh, attends, je vais le laisser là. C'est... Ah bah non, automne, et même là, pour les trucs de Noël, tu rigoles. Ouais, ouais. C'est génial.
Merci, mon Dieu. Mais... Ah mince, pour un peu, je le voyais plus après celui-ci. Mais... Je connais ça pour le début. Alors, attends. Alors, qu'est-ce qu'elle me marque ? Cette fois-ci, je n'ai décoré que la couverture pour te laisser libre du choix des décos de l'intérieur. Oh, c'est trop gentil. L'année dernière, elle m'en avait fait un. Elle m'avait fait un album et je l'avais... Mille oh, j'adore. Oh, c'est pas les sapins qu'elle t'a mis ? Oui, c'est le même sapin que le premier que je vous ai présenté. Voilà, celui-ci. Oh, j'adore en bleu. Oh, j'adore. Je vais pousser ça parce que en plus ça va faire du bruit. Le fond qu'elle a mis. Oh, c'est super. Avec les là, il y a les stalactites. Alors, oh, et sérieusement, c'est magnifique. Oh, le rondin. Où regardez ça. Alors, tout, là. Alors ça, je suis pas très sûre, mais j'aurais tendance à penser que c'est le tampon de chez Action. Mais j'avoue que je l'ai pas encore. J'ai pas encore utilisé ces sets de tampons. Donc là, mais, elle a fait des tamponnages. Aussi, sapins, ils sont magnifiques. Non, c'est pas un tamponnage. Ah, oui, ça, c'est une découpe. Et franchement, il est superbe. J'adore. Donc là, on a les découpes de sapins. Donc ça, c'est dans le papier, je pense, papier les blocs un petit, enfin blocs entre guillemets, les feuilles 15-15 que l'on a eu chez Action, qui étaient ouais, c'est, je pense que c'est fait dans ce papier-là. Donc là, il y a une découpe en bois pomme de pin. Donc elle a mis avec de la neige. Là, les demi-rondins de bois, comme elle m'a mis dans le paquet que je vous ai présenté juste avant. Pareil, elle a mis un effet de fausse neige sur le toit aussi de la maison. Donc sur le rondin, sur la cheminée. Et là, le tamponnage, ouais, je pense que c'est cette maison, mais je suis pas très très sûre parce que je le voulais absolument, mais j'ai encore pas eu le temps de l'utiliser. Et donc là, elle a mis plein de sequins, donc un petit peu, je vais pas dire en forme d'étoile cela, mais ça fait un peu penser ça, avec des couleurs un petit peu un peu blanche holographique, des petits sequins. Là, un die-cut 3D, donc December Daily. Et donc là, de la les stalactites. De quoi ? Ça, c'est les trucs de stickers. Oui, c'est un sticker 3D. T'as dit die-cut. Bah ouais, mais ça me perturbe. Donc là, de la sans feutrine, ouais, des stalactites. Et donc là, un ruban. Un ruban en aspect velours, c'est super sympa. Et donc là, les petits rubans pompons. Et franchement, c'est... J'aime beaucoup les rondins. Oh là, ah ouais, non, mais c'est... Ah puis alors, enfin, franchement, voilà, quand on voit cette couverture, honnêtement, elle est trop belle. Ça donne même pas envie de faire quoi que ce soit. Oh là là, c'est trop sympa. Alors là... Oh, les papiers. Non, mais attendez, je vais vous le montrer dans l'autre sens. C'est juste magnifique. Donc là, voilà, comme ça. J'espère que vous voyez bien. J'ai pas beaucoup de... Ah, puis celle-ci, regardez-moi ça. C'est... Mais les deux, c'est pas le même style, mais j'adore, elle est belle. Oh ouais, bah aide-moi parce que... Voilà, ok. Là, oh, c'est sympa aussi, ouais, ça. Non, mais... Oh, et franchement, c'est... Oh, il est beau aussi, celui-ci. C'est magnifique, franchement, je te remercie. Oui, je me disais qu'il y en avait deux. Il est beau. Oh là là, ils sont tous beaux. Là, regardez-moi ces papiers. Ils sont super jolis. Là. Oh là là, j'adore. Oh, celui-ci aussi, il est beau. C'est dans le même style que le bleu qu'on a eu tout à l'heure, mais là, un peu différent au niveau des couleurs. Et mais franchement, c'est trop beau. Là, les pommes de pin. Et mais, oh, t'as des... Je sais pas où tu les... Enfin, que tu me dises où tu les as eus, tes papiers, ils sont magnifiques. Celui-ci aussi, il est trop beau. Oh, sérieux, j'adore. Oh là là. Bon, je voulais montrer un petit peu oh, avec les ours polaires. C'est trop beau. Oui. Là, donc là, celui-ci, il n'y a rien. Là, attendez, je vois pas bien. Oh, c'est trop sympa. Oh, enlève. Il y a un strass qui s'est enlevé. Oh, c'est pas grave, je le recollerai. Là. Ah, c'est marrant, celui-ci, ça me fait penser à, aux enveloppes que j'ai achetées. Ça fait dans les mêmes teintes avec les étoiles. Mmh. Celui-ci. Oh là là, ils sont beaux. Ils sont beaux. Oh, je suis pas sûre d'être bien dans le... Oh, il est beau aussi, celui-ci. Enfin, ils sont tous beaux. Il y en a qui sont différents les uns des autres. C'est super joli. C'est quoi, celui-ci? J'ai du mal à voir. C'est des... Je dirais des ceintures, mais je vois pas bien, moi, là.
Je sais pas. Bon, je vais regarder ça. On regardera ça mieux, la lumière du jour, parce que là, j'avoue que pas forcément un éclairage top et il n'y a pas toujours évident. Oh, elle est belle aussi, celle-ci. Là. Franchement, c'est magnifique. Je te remercie. Attendez, je crois que... Non, c'est... Si, j'en ai oublié une. Voilà. C'est trop, trop beau. Je te remercie vraiment beaucoup. Et donc là, c'est sur la page derrière. Donc là, on retrouve le même ruban qui était au niveau du stalactite, le ruban un petit peu velours comme ça. C'est juste superbe. Franchement, j'adore tes papiers. Ta couverture, elle est à tomber. Alors en plus, il y a une bonne épaisseur de reliure. Donc, on peut rajouter des choses, mettre... Enfin, merci, merci, merci. C'est magnifique. Ouais, il vient de là, le sequin. On va le mettre de côté. On va le remettre après. C'est... ouais, franchement, c'est trop, trop beau. C'est trop, trop beau. Et là... Oh, c'est trop mignon. Alors, elle a remis une autre luge qu'elle a travaillée, qu'elle a... Oh, excusez-moi, ça me chatouille. Qu'elle a décorée, c'est trop... Eh, sérieusement, c'est trop ça. Oh là là, ça fait blanc, ça fait des reflets. C'est pas terrible pour vous montrer. C'est pas évident, hein. La lumière, elle éblouit le... Ouais, ouais, peut-être. Ouais, t'as raison. T'as raison. C'est trop sympa, c'est trop gentil, c'est trop joli. Donc là, on retrouve un petit peu toutes les choses qu'elle a mis dans le paquet là. C'est, et Agnès, mais t'as fait des folies, je te remercie, c'est juste magnifique. C'est waouh, c'est un envoi de folie. Mais disons que je rigole parce que je repense à ton dernier message et enfin, j'aurais dû me douter. Venant de toi, j'aurais dû me douter. Je suis naïve. Et franchement, ben, je me suis un peu posé la question. Je me suis dit, si elle marque un message comme ça, c'est bizarre. Mais je me suis dit, ben non, quand même, elle ne va pas faire ça. Et ben si, elle l'a fait. Non, mais c'est, enfin, franchement, waouh, waouh, waouh. J'adore, j'adore, j'adore. Je suis émerveillée à chaque fois. C'est, franchement, je vous remercie tous. Enfin, donc aussi. Là pour cette vidéo, il y a qu'un envoi, mais c'est juste, enfin voilà quoi. J'ai reçu des choses énormes aujourd'hui et vraiment, je vous remercie énormément aussi parce que c'est incroyable, incroyable. Agnès, je te fais d'énormes bisous. Je te remercie pour tout, pour ton message, pour tous tes cadeaux, pour toutes tes créations. C'est trop gentil. Bon, je vais arrêter là parce qu'il faut que j'arrive. Je te remercie pour ce que tu m'as envoyé, c'est magnifique. En plus, tu vis vraiment dans le mille. Quoi. Des fois, je me dis, faut que je parle. C'est vrai qu'on a tendance, je pense, quand on parle, quand on fait des vidéos, on dit les choses un petit peu qui nous viennent aussi naturellement. Et voilà, il y a des gens qui écoutent très, très attentivement et ça ne ressort pas. Ça reste dans la tête et dans la mémoire. Non, mais c'est juste hallucinant et merci, merci, merci pour tout. Je te fais de très, très gros bisous, Agnès. On te fait de gros bisous. Mmh. On te remercie énormément. Faudrait accrocher, faire une photo avec Chippy comme ça. Bah avec quand on lui mettra son bonnet. Ouais. Et bon, on va arrêter là. Oui, mais on va arrêter la vidéo parce qu'il faut la mettre en ligne maintenant. Bon, on arrête là. Merci énormément. Plein de gros bisous à toi. Plein de gros bisous à tes filles aussi. Et à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Au revoir.